Assister à son propre enterrement, c'est un peu comme l'ultime défilé, non? Qui rend l'âme obscure. On se demande, il sera en front row. Que serais-tu devenu? Et surtout, on se demande, qui tient à moi? Vincent, Victor, le duc, c'est avant tout une maison familiale. Et cette maison est aussi fragile et précieuse que la dentelle qu'il fabrique. Elle ne tient qu'à un fil. Et comment votre oncle en privé? Très exigé. Je ferai une scène si j'ai envie de faire une scène. Je suis la directrice de cette maison. On vendra plus rien à personne tant que Vincent sera officiellement en place. Seule stratégie possible. C'est une rupture et pas une continuité. Paloma Castel. Quoi? Oui, elle a une vision. Viens prendre la direction artistique à la place de Vincent. Tu l'as prévenu que notre menu préféré, c'était de s'entre-dévorer. Diane Revel est obsédée par le dieu. Depuis tant qu'elle veut nous posséder, celle-là. Il faut qu'on fasse bloc, ensemble, hein, comme une vraie famille. Team le dieu ou Team Revel? Alors, réfléchissez bien, Victor. Pactiser avec le diable est parfois la seule manière de pas crever. Si je vous trahis ma famille, je veux la place du chef. Votre place, PDG de Revel. On va plutôt commencer par le maillon faible. Machin. Mon job, c'est pas de te sauver toi, mais de sauver cette maison. Vous êtes tous des tarés. J'imagine que c'est le fardeau qui va avec notre nom de famille. C'est le poids de la couronne. Des dieux sortis de la cuisse de Jupiter? Je ne le crois pas, chère Diane. Je le sais. Mais souvent, les traditions empêchent d'évoluer. À un moment, si rien ne change, rien ne change. Tu pourrais éviter le polyester. Ça me donne des migraines.